On se retrouve aujourd'hui pour une quatrième ouverture des stickers Panini de la collection Comme des Bêtes. Donc j'ai repris un booster de 8 paquets, si je ne dis pas de bêtises. Donc les paquets qui sont vendus à 5,50€. Donc on va tout de suite commencer par l'ouverture. Donc comme d'habitude, on va l'ouvrir. Je déclare pas tout. À l'envers pour pas se faire spoiler dès le départ. On glisse la première à la fin pour garder le suspense. Donc on commence avec Pompon. Ah cette fois-ci on voit mieux les images. Donc avec apparemment un hôtel avec un oiseau qui s'appelle Ricky. Alors ça me dit rien du tout au niveau de l'histoire. Donc ça c'est sûr, c'est que je l'avais pas encore cette carte là. Ensuite une autre carte avec Mel. Donc je crois que je l'ai mais je suis pas sûre. Les fesses de Buddy et sûrement les oreilles de Max. Max qui ne veut pas laisser sa maîtresse Cathy. Et une autre, une brillante, donc ça je crois que je l'ai, je suis pas sûre. Donc ça c'est toute l'équipe qui veut retrouver Max et Duke. Donc avec l'aigle à la fin et celui-là que je me rappelle pas leur nom. Sinon il y a Norman, Gidget, l'oiseau, pareil je m'en souviens jamais, Buddy, Mel et Chloé. Donc voilà pour la rare. Donc, hop, dans ce sens-là. Donc là, c'est le gang des chats de gouttière. Donc celui avec le chat nu. Ça, c'est la grande image de début. Alors ça, je crois que je l'ai déjà avec Duke, Norman et Max. Enfin, je passe un récapitulatif sur le blog de tout ce que j'ai en double. Donc Max qui attend, pareil, je crois que celle-là, je l'ai déjà aussi. Celui-là aussi, ça c'est le gang de... Je me rappelle, à chaque fois, je ne me rappelle jamais le nom. Donc les animaux qui sont abandonnés. Et en dernier, une toute pelucheuse. Donc ça c'est la deuxième que j'ai, mais ça je l'avais pas encore. Donc ça doit être Chloé qui est sur le dos et c'est tout pelucheux, tout velours. Je pense que vous en rendez compte la différence. Donc aucun sens, ça regarde, c'est là, ça doit être comme ça. Donc je pense que là, ça doit être Cathy avec Max en face. La texture était bizarre sur ce nom, je trouve. Donc là, on voit Gidget, donc c'est sûrement être depuis l'appartement de Max qui voit directement sur l'appartement de Gidget. Donc là, ça a l'air d'être encore Cathy qui doit être en train de manger en haut de son immeuble. L'immeuble où sûrement tous les chiens de l'histoire vivent. Et celle-là, encore une que je n'ai pas, donc c'est Duke qui traîne Max. Encore une brillante. Donc là, encore Chloé qui a beaucoup trop mangé, qui doit être interdit du frigo. Ensuite, une autre partie de la grande image que je vous montrais tout à l'heure, donc là avec un morceau de Duke et de Mel. Un bout de l'employé de la fourrière, donc ça, je crois que je l'avais déjà. Le gang des chats, des mauvais chats du quartier, qui avait capturé Duke et Max. Et en dernier, celle-là, pareil, encore une fois, je ne l'ai pas. Donc c'est Duke qui a pris Max dans sa gueule. Donc ça, c'est sûr, celle-là, je ne l'ai pas. Donc pas mal de rares que je n'ai pas encore. Donc Pompon qui n'est pas content. Une sorte de petit chihuahua, c'est vrai que j'avais voulu voir le film à la base avec celui, parce qu'il y avait celui-là à l'intérieur, je ne sais pas comment il s'appelle, j'arrive si je vois sur sa médaille. Non, c'est écrit en beaucoup trop petit, mais en tout cas je suis contente de la voir. Ah. Ensuite, une partie du cochon qui est garde du corps de Pompon.
Et ensuite, une partie, je crois que c'est l'une des pièces qu'il y a chez Max. Et enfin, cette partie-là, donc je crois que celle-là, je l'ai déjà, donc avec le crocodile, le iguane et le cochon qui font partie de l'équipe de pompons. Donc c'est encore une image que j'avais peur, je ne sais pas dans l'appartement de qui, c'est toute l'équipe qui se met en place pour retrouver Duke et Max. Et d'ailleurs on revoit le petit chihuahua qui est juste ici, et avec Gidget, donc mon cœur balance entre ces deux-là. Ensuite on a les chiens qui ont l'air d'avoir été joués au parc. Le gang de pompons. Donc on revient avec Pompon, plusieurs de ses gardes du corps. Celle-là, je crois que je l'ai déjà. Gidget avec un aigle qui va l'aider à retrouver Max et Duke. Et enfin, la belle photo de Gidget, celle-là, je l'ai déjà, donc je pense que je vais l'utiliser quelque part ailleurs. Parce qu'elle est super sympa. Donc là, Max qui est en fourrière. Encore un bout de Max. Un morceau de Duke, apparemment ça a l'air d'être une image en deux parties. Un Max totalement effrayé. Je pense que c'est peut-être le choc que Duke arrive dans sa vie. Et enfin, Ozone, le chat nu du gang des chats des rues. Qui est juste trop choupi. Oui, certains sont ultra laid, mais moi forcément j'aime les chats nus, donc je trouve sympa, même s'il a l'air d'être une maigreur pas possible. Et enfin le dernier paquet, donc là on a Duke et Max. On remarquera qu'ils n'ont pas leur collier, donc ça c'est dans le gang de pompons. Là, l'autre partie du parc que j'avais tout à l'heure, donc c'était une image en plusieurs parties, et là on voit Léonard le caniche. Une image de Gidget et Max, mais je crois que celle-là je l'ai déjà. Les chats comme pareil, je l'avais tout au début de l'ouverture. Et enfin, une partie de Mel et les fesses de Max, et ça pareil, je crois que je l'ai déjà. Donc voilà pour l'ouverture, la quatrième ouverture des stickers Panini de la collection Comme des Bêtes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous plaît toujours autant. Ce genre d'ouverture qui change un petit peu des ouvertures classiques et qu'en tout cas ça reste dans le domaine animalier. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, prenez la vie de mon côté. Bye bye!